nous vous proposons une série de vidéos simples et courtes pour expliquer les grands principes des régimes. Un régime, comment ça marche? C'est très simple. Quand on veut maigrir, il faut perdre du gras, pas du muscle. Le gras, c'est de l'énergie que votre corps stocke pour les jours de disette. Maigrir, c'est donc consommer plus d'énergie qu'on en stocke. Et l'énergie, elle vient d'où? De l'alimentation, évidemment. Tous les régimes vont donc jouer sur les paramètres suivants. Premièrement, la quantité d'énergie, ce que vous mettez dans votre assiette. Deuxièmement, le rythme auquel vous remplissez votre assiette. Toutes les 3 heures, 3 fois par jour, une fois par jour, jamais. Troisièmement, la répartition des macronutriments, que vous connaissez tous, glucides, lipides, protéines. Leur impact est bien plus important que leur simple valeur calorique, car votre organisme ne va pas réagir de la même manière à 100 g de sucre ou 100 g d'huile d'olive. Et en plus, il y a de grandes différences au sein d'une famille comme les glucides, avec la notion importante d'index glycémique que nous expliquerons. Nous allons donc faire une tournée express au pays des régimes, vous présenter les grandes familles, chacune étant basée sur différents réglages des paramètres dont nous venons de parler, et de leurs avantages et de leurs inconvénients, évidemment, pour vous permettre d'affiner votre stratégie de fat burning et votre taille. Pour plus d'infos, rendez-vous sur notre page Facebook ou sur le blog de Healthy.